Salut à tous les amis et bienvenue dans Mandal, votre rendez-vous sport de combat sur la Winamax TV tous les lundis 15h, disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées également. Oui, on a sorti la veste des grands soirs, la veste à peau de serpent, parce qu'on a vécu une semaine exceptionnelle avec, je ne vais même pas dire le MMA français, avec le sport de combat français tout court. On sort d'un KSW qui s'est très très bien passé à Paris. Alors autant on a été très dur avec le dernier PFL qui s'était passé à Bercy, autant je pense qu'on peut être assez élogieux sur le show qui a été proposé par le KSW Paris. Et juste avant de vous présenter le casting du jour, on va ouvrir en félicitant tous les Français qui se sont imposés ce week-end. On peut penser à Nora Cornol à l'UFC avec ce superbe KO. On peut penser à Alexis Nicolas qui est devenu le premier champion français du ONE en kickboxing en restant invaincu, en détrônant l'immortel. On peut penser également à nos Français qui ont disputé les championnats d'Europe amateurs aux IMAF. Merci Culture MMA, bien sûr, de nous avoir répliqué tous ces combats sur la PlayStation, parce que sinon, on aurait été bien embêtés. On pense aussi à Morgan Charrière qui nous a livré une énorme guerre qu'on a tous adorée. Et on a également une pensée pour Prince Aounala, à qui on a un petit peu porté la poisse. Vous inquiétez pas, je l'ai eu pas. T'en oublies quand même un Français qui a vraiment bien gagné. Il y en a deux. Même. Il y a Saladin déjà. Et Wilson. Attends, Saladin et Wilson. Est-ce qu'on peut, vraiment être content d'une victoire sur blessure? Ouais. C'est une victoire. Mais les gars, est-ce qu'on va vraiment saucer tout le monde Non, parce qu'il a bien compris, c'est dans les 5 premières minutes d'émission qu'il a tous ses je voulais juste dire que je voulais pas faire toute la carte, mais quoi qu'il arrive, c'est une épaule qui tombe toute seule, c'est même pas par un coup. C'est le retrait de buste, c'est le retrait de buste et l'esquive. Big John, les gars, ce que Big John est en train de vous expliquer, c'est que si demain il est à l'UFC et qu'il gagne par, le mec se blesse, il prend pas la victoire et on salue bien sûr. Ça se prendra au sérieux si tu prends un titre. On salue la noblesse de Big John là-dessus, c'est important. Quel fair play. Moi je la prends la victoire et je le nargue même le mec. Non mais voilà, c'était, je voulais rendre hommage à ça. Donc bien sûr, tous les Français qui se sont distingués au KSW, Saladin Parnasse, il y avait Ndiaye, il y avait Wilson Varela, les noms vont me sortir, Florani, Emargui, Alphand Rochelab. Hein, toi, oui, tu t'es aussi illustré. Rapidement. Regarde, t'es même resté en tenue de gala. T'es de loin le mec le plus seclat du KSW. Bien sûr. Non, écoute, franchement, je me suis installé, il y a 2-3 Polonais que je ne connais pas. Ils m'ont regardé comme ça, fait... Tu leur as répondu quoi? J'ai dit, j'espère que ces mecs-là sont riches et vont vouloir me proposer un contrat et ça n'est jamais arrivé. Tu nous fais une petite intro en polonais ou pas? Une intro? Ah non, là, j'ai pas travaillé mon polonais ce week-end. Dzień dobry. Ça m'a fait... Bonjour. Ouais, voilà, Dzień dobry, bonjour, comment ça va? Non mais bon, voilà, Adidas Arena, moi j'ai bien aimé, donc j'espère sympa. Que tous ceux qui étaient sur place, je pense sympa de fou, on était bien. Ouais, franchement, bonne salle, bonne ambiance, bonne organisation en tout cas, le KSW, meilleure organisation que le PFL. Après c'est pas compliqué, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Ah ouais, c'est bien, comment dire, organisation et PFL, quand t'étais des médias aussi, ouais. On va pas se mentir par rapport à d'autres, on a vu mieux, non? Enfin, ils ont l'air un peu débordés d'apprendre leur métier. Une organisation qui est censée être la numéro 2 mondiale, une organisation internationale, voilà. Se faire bouffer par le KSW qui est une organisation. Se faire bouffer par Arès. Mais j'ai envie de te on demander, va pas se mentir, se faire bouffer par Hexagone. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience immersive du KSW? Qu'est-ce que j'ai pensé de l'expérience immersive du KSW? Franchement, c'était très très sympa. J'ai vraiment été bien accueilli, surtout par l'Adidas Arena. Donc, tiens, un petit coucou à l'Adidas Arena, à Antoine de l'Adidas Arena. Ils m'ont bien accueilli, je me suis bien régalé, tout ça. Donc non, mais voilà, c'était bien. Autant on avait été dur avec le PFL, autant je pense que c'était bien de rendre hommage un petit peu au KSW qui venait pour la première fois à Paris. Merci à Saladin Parnasse d'avoir amené l'organisation et d'avoir fait vibrer toute l'arène avec ce KO au premier round. J'ai peur qu'on n'en parle pas assez carrément. Tellement c'est vrai? En fait, le truc, c'est qu'on pourrait en reparler beaucoup, mais je pense qu'on va, ça va ressembler énormément à l'émission de la semaine dernière, en vrai, parce qu'on est à peu près au même stade. Saladin gagne. J'ai même envie de te dire, sur Saladin, on a été un peu précurseur parce qu'on a fait un débat sur s'il devrait rester en évoquant les raisons. Et son interview juste après combat sur RMC a répondu à beaucoup des questions qu'on avait posées ici. Ouais, on a appris que le PFL doublait l'offre que lui faisait le KSW. Ce serait pas chaud qu'on fasse chacun en un mot le pronostic de l'organisation de Salah. Ok, mais faites-le en un mot, vraiment. Moi, je dis PFL. Moi, je dis la moula, hein, PFL. Hein. PFL. Bah, PFL, sachant qu'il va habiter au Texas et qu'il n'y a pas d'impôt là-bas. Mais, mais pourquoi pas un PFL pour l'UFC derrière? Oui. Oui, bah, il a 26 balais, il est jeune. Hein, parce que c'est la question, et c'est vrai que beaucoup de gens réagissaient là-dessus. 26 ans, tu peux te faire deux belles piges à
au cumulé, je pense, plusieurs millions au PFL, si je dis pas de bêtises, au cumulé. On va dire que tu fais 3-4 points à l'année. Et tu peux arriver en grande pompe à l'UFC avec une vraie peau de serpent, pour le coup. Ouais, clairement. On est d'accord. Bon, on regarde un peu le sommaire de l'émission, les amis. On nous présente plus, on regarde plus. Ah oui, mais les gars, vous êtes. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Vous êtes auto-rentrés. Vous êtes auto-rentrés. On se connaît déjà, on se connaît. Bon, on a un tour à gauche avec Big John. Moi, c'est Big John. Allez, le sommaire, on va parler de Morgan Charrière. On va revenir justement sur ce combat. Est-ce que c'est une défaite à relativiser, puisque ça reste quand même un fight of the night, puisqu'on a vu un fight qui est assez engagé. On rebondira notamment sur les statistiques du combat qui peuvent peut-être nous aider à mieux comprendre la lecture de certains juges. Et ensuite, on va directement aller du côté de Vegas. Enfin, on restera à Vegas pour le coup, pour l'UFC 300, la carte la plus violente de l'année, la plus grosse carte de l'histoire de l'organisation, comme vous l'annonçait Dana White. Et chacun des membres de l'équipe va vous proposer son banger à lui. Pourquoi il faudra regarder ce combat en particulier, pour en débattre, parce que certains vont trouver que c'est des combats nazes, c'est quasiment sûr. Et ensuite, on ira sur les cotes, parce qu'il y a quand même des coups à tenter sur cette UFC 300. Il y a un Charles Oliveira, par exemple, qui est underdog, juste pour placer ça comme ça. Et on va rendre hommage à tous ceux qui avaient tenté des choses, même si c'était au détriment d'un combattant français. Il y a un code killer qui est passé dans la nuit de samedi à dimanche, quelqu'un qui avait joué en live, Mariscal vainqueur, côté à 6,75. Alors, je me demande après quel round il l'a tenté. Il a pris 135 euros en mettant 20. Je vous l'ai dit, après le deuxième round, la cote de Mariscal est montée en flèche parce que Morgan était archi favori. Mais donc voilà, on peut saluer l'opportunisme, un petit peu moins le chauvinisme de ce code killer. On va pouvoir attaquer avec la pesée et on revient sur le combat de Morgan Charrière. Bon, Morgan Charrière qui s'est incliné face à l'Américain Chepe Mariscal sur une décision partagée, puisqu'il y a un juge qui voyait Morgan gagner tous les rounds de ce combat. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision? Est-ce que pour vous, il y a un débat, un truc un peu litigieux ou pas? Juste pour balayer ça d'entrée. Pour moi, la scorecard est très intéressante parce qu'il y a deux lectures. En fonction de votre manière de consommer le MMA, vous pouvez le scorer comme les deux juges qui ont donné deux rounds pour Mariscal. Et d'un autre œil, vous pouvez aussi comprendre le juge. Après, tous les rounds, je ne sais pas, peut-être que pour moi, la fin du troisième est un peu compliquée pour Morgan, mais il y a deux lectures. Si on mélange un peu de chauvinisme, moi, j'avais plus l'impression qu'il le prenait, qu'il le gagnait. Quand la décision est arrivée, c'était le sentiment que j'avais. Une fois que la décision est tombée, en regardant le combat, c'est compliqué de dire que c'est un vol. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, je pense qu'il y a un petit déficit d'objectivité du côté des Français qui fait que moi, je le voyais vraiment gagnant. Même si c'était serré, au final, ça allait de l'autre côté. Je vois Julien en train de grimacer au plus haut point, en train de se faire des rides. J'arrive pas à comprendre en fait comment t'arrives à comprendre le 30-27. Ah ouais, non mais il y a aucun monde. Moi, le 30-27, je le comprends pas. Je pense. Je l'ai regardé 3-4 fois le combat. Je l'ai pris avec les stats, sans les stats, en me focus. C'est pour ça que j'ai dit à la limite qu'il y ait un round qui perd, ça je veux bien, mais que je veux dire que pas qu'il gagne les 3 rounds, mais qu'il gagne le combat pour un juge, ça je peux le comprendre. Moi, je peux comprendre le 30-27, pourquoi il y a eu 30-27, parce que c'était pas un juge, c'était une juge, donc peut-être qu'elle a flashé sur Morgan. je la prends, celle-là. Mais honnêtement, pour avoir revu le combat plusieurs fois, et comme je viens de vous le dire, moi je l'ai regardé à l'aune des statistiques, à l'aune de plein de choses, je suis pas choqué. Je suis pas choqué de ça, et les chiffres mentent pas. Non, j'ai pas dit que c'est-à-dire que quand on regarde bien, les rounds en fait jugés correspondent quasiment au significant strike dispensé. On peut les mettre en parallèle et on peut les matcher. Il y a pas que ça. Je prends l'exemple du premier round. Au moment où Morgan contre, on sent quand même qu'il y a un impact qui est plus. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un peu plus d'impact. Comment dire, ses frappes étaient un peu plus sèches. Franchement, ça pouvait aller dans les deux sens. Maintenant, comme je te l'ai dit, je suis pas choqué du résultat. Je dis juste que ça allait dans l'autre sens. C'est pas choquant non plus. C'est pas un vol pour moi. Il y a un chiffre que je peux moi contester, qui est une statistique. On en parlait entre nous en off. Ok, celle-là je la prends. C'est les frappes au sol. Quand on donne 9 frappes au sol à Chepe sur 10 tentatives et 0 à Morgan, on sait pertinemment qu'en fait c'est des petits coups. Il n'y a pas vraiment de puissance dans les coups. Donc celles-ci, on peut les occulter. Mais sinon, quand on regarde bien la répartition des frappes à la tête, au corps, aux jambes, la répartition des frappes round par round et les différentes tentatives, on voit bien que sur le premier, en fait, Chepe, il est largement devant avec 16 frappes
sur 20 sur 29 tentatives avec plus de 55%. Sur le dernier, il y a un énorme volume avec 41 tentatives et 23 réussies. C'est sur les deux dernières minutes et au premier round, j'ai quand même l'impression que visuellement, le meilleur combattant, c'est Morgan. Il y en a un qui va plus... Parce qu'il a les cheveux d'une certaine couleur, parce qu'il est plus beau. Je pense qu'il fait la différence. C'est que t'as un mec qui, techniquement, on le voit, est peut-être un peu meilleur, plus propre, peut peut-être toucher avec plus de précision. Visuellement, enfin, je me retourne aussi de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas encore intervenu. Il a été Chepe Mariscal a l'air 100 fois plus fou dans sa manière de l'attaquer. Puissant, il y va vraiment comme un dérapé. Il y avait un gars. Moi, je me suis dit quoi ? J'ai vu le premier round. Pour moi, le premier round, je le donnais à Mariscal. Oui. Ok, c'est serré, 100%. Etc. Machin. Pour moi, je le donnais à Mariscal le premier round, à la fin du premier round. Mais par contre, je me suis dit, ok, lui, je suis témoin, il va gaz out. Je le coupe, mais il l'a dit entre nous, et ça, je peux l'attester. Pour une fois, c'est pas de la post-rationalisation. Avant la décision, j'avais même dit round 1 et 3 pour Mariscal, pense. Et même en live sur Twitch, parce que je live tweet l'événement, j'avais dit, ok, premier round pour Mariscal selon moi, mais je pense qu'il va gaz out. Justement, dû à son style où il était vraiment très rentre-dedans, très agressif. Ok. Second round. Je vois Morgan, pour moi, Morgan prend le second round, il n'y a pas trop de doute là-dessus, il fait des belles amenées, du bon contrôle, etc. Il envoie quelques bons coups, et comme tu l'as dit, il est plus précis. En fait, il est plus précis, donc il a des coups visuellement, on les voit toucher, on les voit connecter. Mais de l'autre côté, tu as Mariscal qui envoie du volume, donc une tonne de coups, et parmi cette tonne de coups, il y en a certains qui passent quand même, et qui passent, et il faut peut-être revoir le combat pour ça. Ça passe beaucoup. Et Morgan, ok, les encaisse bien, ne titube pas, ne fait pas la grimace, etc. Mais il y a vraiment des mauvais coups qui passent. Ensuite vient le troisième round, donc pour moi, il y a 1-1 à ce moment-là. Et là, le troisième round, pour moi, c'est le plus serré, selon moi. Après, il y en a qui disent c'est le premier round, etc. Moi, pour moi, le troisième round est quand même très serré. 19 frappes tentées en troisième round. Pour revenir sur les stats, pour moi, le troisième round est très serré. Sur les stats, globalement, il n'y a pas un round où Mariscal tente moins de frappes que Charrière. J'ai les stats devant les yeux. Sans vous dire, il y a un round où il en met moins, mais sinon, il lui met un écart de 6 frappes au minimum significatives à chaque round. Le troisième round, pour moi, il est serré, mais franchement, la dernière minute, plus dans l'ensemble, ce qui s'est passé, si on prend le critère de jugement numéro 1, qui est les coups significatifs en striking et en grappling. Je suis désolé, mais à la dernière minute, peut-être que si tu en rajoutes une autre, ça devient très, 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 très compliqué pour Morgan, tu vois. De la même manière que je pense aussi que le deuxième round, s'il n'y a pas cette phase dans la dernière minute 30, il est scoré pour Morgan. C'est vraiment l'impact visuel d'en faire plus à la fin. Il a un contrôle complètement inefficace. Il ne fait rien de son contrôle. En fait, il faut savoir que le round, il ne se juge pas minute par minute, il se juge vraiment dans le round, dans l'ensemble. Ça veut dire que pas Duplessis Strickland un peu ? Je voyais Duplessis à la fin de la décision. Là, on avait deux brawlers, et en fait, c'est juste le plus brawler des deux qui a réussi à l'emporter. Mais il a été efficace aussi. En gros, tout ça pour dire qu'en gros, c'est vraiment pas un vol. Moi, je peux voir Mariscal gagner, je voyais Mariscal gagner 2-1. Comme je pouvais peut-être voir Morgan, tu vois, le troisième round, ça me choquait pas de voir Morgan aussi. Je suis dégoûté. Par contre, s'il y a bien un truc qui m'a choqué, c'est le 30-27 pour Morgan. Parce que là, trois rounds à Morgan, je pense que bon, après, c'est un beau garçon, Morgan, tu vois, il a des beaux muscles, etc. Il y a peut-être moyen que la juge ait bien apprécié le profil. Ouais. Pour moi, c'est pas un vol, mais c'est quand même très litigieux. Premier round, je l'ai largement pour Morgan, parce qu'à un moment donné, quand tu défends des takedowns, il faut quand même que ça compte. Le contrôle contre le grillage, on a dit que ça comptait plus autant, et très franchement, l'impression visuelle, plus ça, pour moi, Morgan est au-dessus. Après, il faudra être aussi capable de nous définir c'est quoi une frappe significative. Parce que d'une fédé à une autre, ça change. Et visuellement, Morgan a beaucoup plus touché, surtout qu'un coup au visage fait quand même beaucoup plus mal qu'un coup au corps. Maintenant, en effet, il y avait plus de volume du côté de Mariscal, notamment sur les low kicks et les coups au corps. Et clairement, pour moi, ce combat, ce n'est pas Mariscal qui l'a gagné, c'est Morgan qui l'a perdu. Il l'a perdu parce que je pense qu'il a gazé un petit peu au troisième round et qu'il l'a trop laissé attaquer. C'est-à-dire que Morgan, la différence, c'est que Mariscal cherchait à construire un combat sur trois rounds, alors que Morgan, on avait plus l'impression qu'il cherchait un finish. Et le problème qui est, c'est quand tu n'as pas le finish, à un moment donné, ton adversaire prend confiance, il revient et il se met à être de plus en plus précis. Et la vérité, c'est qu'après deux rounds, la tête de Mariscal est
ultra boursouflé, mais après le troisième round, ouais, celle de Morgan a pris un sacré nombre de coups. Et je pense que, je le dis souvent dans cette émission, pour moi, le dernier round compte souvent double. Je pense que dans l'esprit des juges, ça a compté aussi. Je suis d'accord, il n'y a aucun monde où il doit y avoir un 30-27 pour Morgan. Maintenant, Morgan aurait pu faire un bien meilleur résultat. Je pense que c'est lui qui laisse un petit peu passer le combat sur ce troisième round. C'est litigieux, c'est pas scandaleux. C'est sûr que nous, en tant que Français, on aurait voulu voir la victoire de Morgan. Maintenant, on va y revenir au fur et à mesure de l'émission. C'est pas non plus dramatique. Et c'était un très bon combattant, très rugueux, très très. On l'avait dit. Très intelligent face à lui. On l'avait dit. On a fait attention parce qu'on parlait la semaine dernière. On débattait sur Morgan, top 15, pas top 15. On y reviendra. Mais on avait dit attention, l'UFC prend Morgan très au sérieux parce que Chepe, c'est un candidat, c'est un vrai client, c'est un brawler, c'est quelqu'un qui a des super stats, pardon. Et quand vous regardez bien d'ailleurs les stats de Chepe sur ce combat, c'est quasiment une continuité, voire une copie de ses combats précédents. C'est-à-dire que sa stratégie, elle est hyper cohérente, c'est un vrai brawler encore une fois, c'est quelqu'un qui a un bon judo, c'est quelqu'un qui est capable de rentrer au corps à corps. D'ailleurs, il n'y a aucune stat où il est derrière Morgan, sauf les body shots. Aucune. À distance, comme au corps à corps, il a été plus efficace. Donc je veux bien que Morgan défende, et moi encore une fois, fight of the night, c'est pas pour rien. Mm-hmm. C'est que le combat, il est hyper fan-friendly, on l'avait promis. Morgan, il a fait un super boulot, il a bien travaillé, tout le monde a apprécié le combat. Je suis d'accord avec toi, il cherchait plus le finish que la construction du combat. Moi j'entendais Johnny qui lui donnait plein de consignes derrière, qui les respectait pas forcément, parce qu'il lui disait en permanence « Travaille Morgan, fais des dégâts ouais. ». Il lui disait tout le temps, et tu regardes bien, et ben, des dégâts, pas tant que ça. Il n'y a pas une stat round par round où il y en a une où tu peux sentir que Chepe, il est dedans. Alors oui, il prend des coups, il marque peut-être très vite, mais sur le reste, Morgan, il en prend aussi énormément. En fait, la chance qu'il a, c'est qu'il ne donne pas l'impression en fait, d'en prendre autant. Et pour le rejoindre, d'autant plus que Chepe passe les deux premiers rounds à envoyer des low kicks et des coups au corps. Qui font mal en plus. Qui font mal, mais du coup, au troisième round, la garde de Morgan est beaucoup plus basse, et c'est là qu'il envoie au visage. Et très honnêtement, il a pris des coups au visage en troisième round où on a l'impression qu'il est à la limite de ce... Les deux, pour moi, c'est des profils qui peuvent être similaires dans cette capacité à offrir leur menton parce qu'ils ont un menton qui est juste exceptionnel pour les deux. Ouais, mais c'est pas bon. En plus, on en parlait en live, on le disait, je sais plus c'est qui avait dit, il y a un problème de gestion, on dirait, du côté de Morgan ou à la fin du premier round ou quelque chose comme ça. Et même moi, j'étais avec un ami, je le disais, en fait, il a l'impression qu'il est attentiste un peu, qu'il accepte de prendre des coups, peut-être qu'il cherche quelque chose, peut-être qu'il a du mal à mettre en place vraiment un game plan, peut-être en fait que le style aussi difficile. De il est vraiment distance. Pas académique. Ouais. Moi, il a un style vraiment bizarre. En fait, il est très peu académique. J'avais pas cette impression. Mariscal, c'est clairement un profil que, atypique. En général, dans des combattants français, quand on cherche un match à l'UFC, on va pas vers ces mecs-là. Il est bon à clinch, il dérange beaucoup. Le récit de ce combat, moi je le vois un petit peu. J'ai vraiment l'impression que le premier round, c'était OK. Comment je m'adapte à ce que je viens d'avoir devant moi? Parce que j'avais l'impression qu'il était surpris aussi par le style, l'agressivité. Et honnêtement, je trouve que même si c'était pas ce qu'on lui demande en termes de défense, le premier round, il a juste trouvé une solution. Pour tenir le choc, en vrai. Il y a pas mal de combattants qui, je pense, ne tiennent pas. C'est 5 minutes contre eux. Ouais, y a un souci du coup, sur le premier round, tu le donnes à qui? Attendez, on va juste. Pierre, il y a un gros souci sur ton micro. Ils vont juste je te dirai quand tu peux parler, mais apparemment, là, quand tu parles, c'est catastrophique. C'est pas de ta faute. Ils sont en train de le régler. Je voulais dire quoi, Adès, du coup? Je comprends ce qu'il veut dire Pierre et tout. Le style, en fait, le style vraiment fait le combat. Et j'avais vraiment ce sentiment que Morgan était un peu attentiste. Et je vous rejoins tous, et je pense que toute la France se rejoint sur le fait que. Comme tu l'as dit, John, c'est un peu Morgan qui a perdu ce combat parce que je pense que c'est largement à sa portée et qu'il y aura beaucoup de regrets et qu'il va nourrir beaucoup de regrets. D'ailleurs, on l'a vu sur son dernier tweet où il a dit « je pensais l'avoir », etc. Je pense qu'il va nourrir beaucoup de regrets sur ce combat-là parce que ce soit le premier round ou le troisième round, ça s'est joué vraiment à des petits détails. En fait, il va falloir qu'il digère une chose et qu'il assimile plutôt une chose, c'est qu'il est à l'UFC, il n'est plus au Cage Warrior ou dans une ligue un petit peu mineure et que les erreurs que tu pouvais te permettre de faire dans des ligues mineures ne passeront plus à l'UFC. Mmh. À l'UFC, t'es que face à des monstres. Ça veut dire, tu fais une erreur, tu peux la payer cash. Les erreurs un peu là que tu lui donnais? En fait, tu peux pas accepter dans la victoire ce que t'accepterais pas dans la défaite. T'as un jeu ultra ouvert, ultra généreux. T'es prêt à avoir une garde basse, t'es prêt à ouvrir un petit peu le jeu, ok. Mais le problème, c'est quand tu vas te prendre un contre à l'UFC, ça, tu vas le payer cash. Et j'ai envie de te dire, je vais faire un parallèle. Très souvent, moi, on me reproche d'être tout le temps le mec négatif de ce plateau. Pas négatif, un peu pessimiste non. Parfois, mais non, c'est mais aussi négatif. Une réalité qui peut être... Et je vais te dire, je vais faire un parallèle et avec Nassourdine et avec Benoît Saint-Denis. C'est que Benoît Saint-Denis, on a surkiffé le voir balancer dans la bagarre
avec le menton bien comme ça, on a pas, bien apparent, et qu'ils mettent des KO face à des Thiago Moïse ou d'autres gars. Mais face à Poirier, ce n'est pas du tout passé. Et quand, au dernier combat de Nassourdine, je reproche certaines choses qui auraient pu être mieux faites face à Dolidze, je le dis juste, là, bon, on a eu des annonces la semaine dernière sur un potentiel fight, ça ne passera pas si c'est le combattant qu'on pense tous que ça va être. Et là, justement, Morgan doit assimiler ça, c'est que tu as l'UFC, c'est que toutes ces petites erreurs qui passaient dans un niveau plus bas ne passeront pas dans un niveau plus haut. Alors, en fait, je suis d'accord avec mais toi, ça... Pierre, et après on reviendra sur ce qui sera positif à tirer de ce combat. Bah, ça rejoint aussi ce que John disait. Le seul souci, c'est qu'il est coutumier du fait, même avant. Ça veut dire que je pense que c'est le mec, pour connaître son record, il faut aller voir sur Tapology. Je pense que c'est le mec qui a le plus de victoires ou de défaites à la split decision, où au final. Les stats nous disent quoi ? C'est pas passé loin. Je pense que sur ces maintenant 10 défaites, il doit y en avoir au moins 7 ou 8 qui sont exactement du même acabit que celle de samedi soir. Et c'est là où j'étais un peu deg. D'un autre côté, je suis rassuré parce que je me dis qu'il a l'habitude et il s'est à chaque fois sorti plus fort de ces scénarios-là. Mais ça reste redondant et j'ai juste peur que moralement, ce soit relou, que l'histoire se répète aussi à l'UFC. Il y a ce sentiment de « merde, je ne l'ai pas vraiment perdu ». Oui, je ne l'ai pas gagné, mais je ne l'ai pas vraiment perdu. Il y a des combattants dont on loue les qualités, notamment sur un point, c'est leur capacité à intégrer dans leur logiciel, dès les premiers rounds, le contexte et à réadapter leur stratégie. J'ai trouvé que moi, sur ces 3 rounds, la réadaptation de Morgan, parfois, l'écoute des consignes et la réadaptation de la stratégie n'étaient pas toujours là. Mais si tu prends le 1 et le 2, je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que le 2, justement, c'est quoi ? Il défend pendant le premier. C'est là où je dis que j'ai une autre lecture. Je trouve qu'il défend, il absorbe la tempête tout le premier round. Et je trouve qu'au deuxième, il trouve les solutions. Et il fait une erreur au 3. Il fait une erreur à la moitié du troisième round qui lui coûte le combat. Alors, mais pour moi, s'il reste sur la dynamique du deuxième et du début du troisième round, il le prend de round à 1. Le truc, enfin, c'est que. C'est mon sentiment. À aucun vraiment. Moment, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais à aucun moment, on sent la jauge d'énergie de Mariscal vraiment descendre, alors que celle de Morgan, je pense qu'il perd peut-être beaucoup d'énergie sur les défenses de takedown et il perd aussi peut-être beaucoup d'énergie à attaquer, comme tu le dis, au deuxième round. Et au troisième round, il y a quand même une grosse différence au niveau de la jauge qui s'est faite, parce que même la phase où Morgan se retrouve au-dessus, il fait rien. Et chapeau à Mariscal pour ça, parce que ça doit être tellement juste. Il fait rien, il est en montée. Mariscal qui frappe. Il a plus de jus. Moi, j'ai pas vu vraiment un Morgan en perte de jus. J'ai vraiment vu un Morgan genre attentiste. J'avais l'impression qu'il n'était pas à fond. J'ai une question là-dessus. Et alors, je préfère prévenir et un petit peu aplanir le terrain. C'est absolument pas un tacle. Est-ce que c'est la bonne méthode pour Morgan Charrière ? C'est une question que je me suis posée en regardant. On connaît l'école un peu Johnny Frachet dans sa manière d'aborder le MMA, qui est très calcul stratégique, game plan aux petits oignons sur des détails et vraiment beaucoup de choses. On l'a vu, ça a bien marché plutôt dans la soirée. Hein, non, oui, non, mais 100%. Autant là-dessus, j'ai rien à dire. Autant parfois, j'ai l'impression visuelle que je trouve Morgan Charrière se retrouve peut-être plus dans une lignée à ressembler à ce que fait du Daniel Warren. C'est mon impression. Hein. Je le sens peut-être pas dans cette vibe toujours ultra stratégique dans le combat, avec une petite proportion peut-être plus aller à la bagarre que ceux qui sont à l'US Métro de manière générale. C'est un ressenti encore, c'est pas un tacle. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est exactement pour ça que Johnny Frachet, c'est parfait. Parce que ça sert à quoi ça sert à quoi de continuer à travailler ses points forts quand on a conscience de les avoir et qu'ils sont presque innés ? Si justement, Morgan, il a peut-être ce déficit technique et que vous l'avez vu, être avec, pour moi, avec Johnny Frachet, c'est juste ce qui lui manque pour se parfaire. Ben, je sais pas. Moi, je sais pas si c'est. Je pense que ça, il l'a naturellement. J'ai envie de le voir dans les deux sens. Ça peut être très bien, comme ça peut être peut-être pas. Faire des guerres, c'est dans son ADN à Morgan. C'est avec ou sans Johnny Frachet, il va faire des grosses guerres. C'est dans son ADN, c'est la personne qui. Moi, c'est une question de style, hein. C'est pas la qualité de Frachet qui est vraiment en question. Non, mais justement, je pense que par rapport au style, je pense que réduire Daniel à un côté brawler, ça serait aussi un peu réducteur, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à ça. C'est l'optimisation de ça, je veux dire. Mais ensuite, je pense que Johnny, c'est quelqu'un qui a une très bonne compréhension de l'humain. C'est une Bible en termes de MMA et de stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui, si Morgan écoutait juste un tout petit peu plus les consignes et qu'il justement il cédait un peu moins à sa tendance naturelle d'aller à la bagarre, on aurait eu un combat un peu différent et un combat un peu mieux géré. Parce que je suis d'accord, le round 2, il est beaucoup mieux géré. On sent qu'on lui a expliqué d'y aller différemment. Là où ça repart un peu en vrille, c'est justement quand on le laisse retourner un peu à la bagarre. Moi, je pense que Johnny, c'est quelqu'un qui connaît très bien son boulot. Morgan, de toute façon, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est avec lui. Il est en train de le reprendre et de le driver petit à petit. Et on verra, on va en reparler, je pense, maintenant. Mais sa carrière à l'UFC, elle est loin d'être terminée. Donc, on va encore avoir de quoi développer et mettre en place la stratégie. Et je suis d'accord avec Anes. On l'a vu, toi, quelques combats juste avant avec Nora, qui nous fait. Je vous avais promis un combat fan-friendly pour Nora. Je vous l'avais vu.
C'est que là, encore une fois, on a eu un combat fan-friendly. Hey, d'ailleurs, les deux combats de la soirée, c'est les deux combats de la team de Johnny. Nora, d'ailleurs, sa performance, attention, moi je mets ma petite pièce. Elle va être. Je me dis 2024-2025, ça va sentir très très bon elle pour Nora normalement. Très rapidement, elle est si elle continue pas loin de prendre un KO of the night. C'est dommage que derrière il y ait eu des dingueries, mais je pense que ça aurait pu se placer. Ouais. Et ben là-dessus aussi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas eu mieux en termes de finish que Nora sur cette soirée-là. Ah oui, mais non, moi je suis assez d'accord. Moi je trouvais ça plus impressionnant, mais c'est pas elle qui a eu le bonus. Non, c'est ça que je veux dire. Malheureusement, mais c'est dommage. En tout cas, pour conclure, bon, on tire un peu, on critique un peu. Toujours le positif un peu sur Morgan. Voilà, parce que... il était quand même sur 4 victoires de suite. Il nous a fait quand même une entrée à l'UFC exceptionnelle, et je pense que ça va te permettre de faire une belle transition. Il prend aussi le combat de la soirée, donc le bonus de 50 000. Deux combats encore, de bonus. Encore une fois, et je pense que justement, c'est ce que tu allais dire. Est-ce que ça pose problème? Tiens, je te laisse, et après je rebondirai direct. Bien vu. Non, mais effectivement, il y a eu ces highlights, notamment. Que j'ai vu pas mal repris sur des comptes américains où tu sais, il y a sa phase où il est dos à la cage et il arrive à placer esquiver, son esquive, passer en dessous, puis passer en takedown, qui a beaucoup, beaucoup tourné parce qu'apparemment la séquence techniquement est parfaite. Aujourd'hui, c'est deux bonus en deux combats malgré la défaite. La vraie question que je veux me poser, parce qu'on a deux Français dans cette catégorie-là, à savoir William Gomis et Morgan Charrière, et pour le coup, on a deux trajectoires qui ne sont pas les mêmes. On a William Gomis qui. Ne fait pas de finish, mais gagne tous ses combats, mais dont on entend très très peu parler du coup aux États-Unis autour de l'UFC, etc. On a un Morgan Charrière qui alterne entre la victoire et la défaite, mais prend deux bonus. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus payant dans l'UFC pour essayer d'aller attaquer le top 15, faire des combats à la Morgan Charrière dans lequel il y a 50-50 et potentiellement, voilà, on peut s'incliner sur une décision partagée, ou gérer un combat stratégiquement parfait à la William Gomis, mais c'est des combats qui sont moins mémorables. Je vais te donner un exemple tout bête et tout simple. Belal Mohamed, Nate Diaz. Ah, merci, si je m'étais noté. Belal Mohamed, typiquement profil William Gomis, tu m'as capté, donne vraiment une comparaison bateau. William Gomis, mais Belal Mohamed, victoire, décision, victoire clean, propre, rien de spectaculaire, pas un grand personnage, etc. Nate Diaz, victoire, défaite, mais marketingement parlant, ça vend. Donc tu vas lui donner un Leon Edwards qui est classé deuxième ou troisième alors que lui n'est même pas classé. Nate Diaz, c'est du main card, voire main event, comme face à Khamzat. Exactement. Face à Khamzat en septembre, avant que ça soit annulé, main event. Au final, qui c'est qui est resté main event? C'est Khamzat ou c'est lui qui est resté main event quand la carte a été modifiée? C'est Nate Diaz, du coup. Parce qu'il a le personnage, il a le profil, et il vend marketingement parlant. Aujourd'hui, Morgan Charrière, il a la gueule de l'emploi. Il a le flow, il a l'anglais. Il a le style de bonus en deux combats. Moi, ça me fait penser à Justin Gaethje. Justin Gaethje, c'est un gars qui empile les bonus. Tout le monde le kiffe, tout le monde veut le voir combattre, qu'il perde ou qu'il gagne. Donc Morgan, pour moi, c'est encore une autoroute tout droit pour lui, parce qu'en plus de ça, ce n'est pas une défaite où il s'est fait finir ou quoi, c'est une défaite serrée. Il y a beaucoup de gens, même aux États-Unis, qui le voient gagner. Donc, on va l'attendre au tournant. Alors, s'il revient derrière et qu'il nous remet un finish avec un nouveau bonus… pour moi, c'est encore, il va repasser devant Chepe, mais tous les jours. Parce qu'on a tous, excuse-moi, mais on a tous en fait le visage complètement masqué par ce côté Khabib, l'invincibilité, la ceinture, le ci, le ça. Mais je suis entièrement d'accord. Nate Diaz, c'est le meilleur exemple qu'on ait aujourd'hui dans le roster UFC. Ça parle de Cowboy Cerrone dans le chat. Laissez-moi vous opposer juste celui d'Edward, parce que je suis complètement d'accord avec vous deux. À l'instant T, c'est un fait, une réalité. Mais pour répondre à la question de Sacha, de qui est le plus proche d'un top 15 tout de suite aujourd'hui à l'heure où on parle. Ça reste William. Ah mais non, mais et oui. Et on prend l'exemple, là je vais juste opposer ça, tu me parlais de Belal Mohamed, je te parle de Leon Edwards qui a globalement en fait la même trajectoire qu'un Belal et qui finit par avoir son title shot, comme Manon va finir par l'avoir. Il y a ce niveau où en fait le vert amène aussi ce chemin. Non mais en fait, je suis... Mais de toute façon, la question non, c'était William avant le proche combat. Je pense qu'en général, la stratégie là, juste une seconde, la plus facile pour arriver au top 15, c'est celle que vous avez énoncée. Mais aujourd'hui, William est plus proche que Morgan. Il y a plus de combats aussi. Alors, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, parce qu'on a eu l'exemple même avec des Français qui gagnaient, qui avaient un bilan positif et qui se sont fait test de l'UFC. On a eu Francis Carbon et on a eu Taylor une première fois. Vous me direz si je me trompe pas. Oui, zéro défaite. Mais je veux dire, trois victoires, une défaite, c'est quand même sympa aussi. Et on a eu aussi d'autres combats. On a eu d'autres combattants UFC qui étaient jugés comme chiants, qui ont été virés de l'UFC. Moi, le premier ici, je vous le dis chaque semaine depuis deux ans, il faut des finishes pour avoir un title shot rapide, pour pouvoir être vendeur, etc. Tu regardes alors, il a cité Nate Diaz, on aurait pu citer aussi Masvidal.
On a des exemples de tas de gars qui n'ont pas des carrières phénoménales, mais qui étaient spectaculaires. Je vais même t'en citer un qui perd plus qu'il ne gagne, c'est Yon Kuté là-bas, qui a plus de défaites, mais parce que tous ses combats se finissent par un finish, il est encore à l'UFC. Donc je vais peut-être piquer un peu, mais est-ce que je vois Morgan gagner le titre à l'UFC ? Pas forcément, mais pourquoi pas un BMF title dans quelques années s'il continue à nous faire des belles performances avec des bonus à la clé. Oui, et je vais te dire, ce genre de carrière, tu peux signer à l'UFC tout de suite. Il y a un petit commentaire dans le chat d'Adi qui est très sympa, qui nous dit Morgan, c'est zéro KO, zéro soumission dans la défaite, que des décisions aussi. Donc, c'est un dur au mal qu'on a du mal à terminer. On en revient à ce que disait Pierre tout à l'heure, l'effet du comment pour les fans, on parle encore de bonus et autres, est largement supérieur. Et je vous donne un autre point. Regardez les derniers combats en fait de William. Ok, très beau winning streak. Yanis Gemouri, Francis Marshall, etc., etc. Combien de fois vous vous êtes dit avant le combat, ouais, sûr, William il le prend celui-là. Le premier à l'UFC pas. Honnêtement, contre Marshall. Non, Marshall c'était un piège. Contre Yanis, à chaque fois tout le monde s'est dit ah. Yanis, Yanis, je vais pas te mentir, reprenons maintenant notre discussion de la semaine dernière quand je vous disais, est-ce que vous pensez que Morgan il est capable d'aller chercher, qu'est-ce qu'on s'était dit, Bryce Mitchell. Ben moi, je suis toujours convaincu que Morgan, il peut prendre Bryce Mitchell. Moi, je pense qu'il l'éteint carrément. Par contre, si demain, on met William face à Bryce Mitchell, je vous jure que je ne suis pas convaincu. Okay. Non, ouais, dans les match-up, ce sera un peu différent. Je vous propose de refaire plus de menton, Bryce. Bryce Mitchell, il a dormi une fois, ok, mais c'est reste Bryce Mitchell. C'est ça, mais c'était dans le top 5. En fait, vous allez voir. En fait, c'est possible. Je vais te dire, j'adore Morgan. En plus de ça, ça fait plus de 10 ans que je le vois à la NR Fight. On ne s'est pas entraîné ensemble parce qu'on n'a pas le même poids. Mais voilà. Mais. Procédons par étapes. Merci. En fait, okay, je ne vais pas refaire la même étape. Moi-même, je n'ai pas envie de refaire la même erreur que j'ai fait avec tu vois Bryce Mitchell imposer son strike. Très les gars, venez, on s'en fout. Voilà. Parce qu'il reste 25 minutes d'émission. Voilà, parlons du reste. Justement, est-ce que tu vois juste une question. Tu vois Bryce Mitchell être capable d'imposer son grappling sur le Morgan dans la shape qu'on a vu samedi? Je sais pas. Moi, je pense que physiquement, il n'a pas la puissance. Et du coup, ça reste quoi? Il reste debout. Je te parle de Bryce Mitchell. Quand on avait cité tous les autres noms du roster et du top 15, pour l'instant, no way. Mais en l'occurrence, on a un Bryce Mitchell qui est bien classé, c'est un très bon exemple, et on peut s'en servir de point d'étalon. Mmh. On peut dire que c'est plus accessible, c'est un bon étalon. Il y a un peut-être, mais moi, en fait, il l'éteint et tout, de pire, je parle juste de ça, il ne peut pas poser son grappling sur Morgan. Est-ce qu'aujourd'hui, Morgan a la patate des deux autres qui l'ont mis KO, c'est-à-dire Topuria et comment il s'appelle le showman? Emmett, voilà. C'est ça aussi. C'est aussi ça le paramètre, c'est important. On va refermer la page sur Morgan Charrière, et en conclusion, on va le dire que pour le coup, c'est une défaite dans laquelle on aura tiré du positif et financier et en termes d'image par rapport à ce qu'est Morgan à l'UFC et par rapport au marché américain. On va pouvoir parler et se recentrer sur le marché américain parce que c'est la carte de l'année. On va parler de l'UFC 300, j'en perds mes mots. Bon, la carte de l'année annoncée par Dana White, la carte la plus violente, l'événement de l'histoire de l'organisation. C'était ce week-end la carte de l'année en vrai. Hein, on n'en a pas parlé. C'est WrestleMania 40. Ça, c'était la carte de l'année. Mais tu sais que je ne regarde jamais le catch. Non, mais il faut arrêter, Roman Reigns, en fait, c'est bon. Là. Quand on est fini, il n'y a plus de Roman Reigns. Quand on écrit une émission, on met John des sujets. John Cena a vieilli, il n'avait plus rien à faire. Les gars, laissez ça s'abosser. Il est 15h34, il y a encore une fois. Pardon, tu ne touche pas à The Rock. J'étais obligé de le placer. Vas-y, Sacha, vas-y. Grosse dédicace à Nassim Belouachi, c'est devenu le café du coin ici, c'est un délire. On parle de l'UFC 300 du coup et non pas du tout de WrestleMania, désolé. Défaite encourageante, on dirait un commentaire d'un match de l'OM. Waouh, wow, merci. Voilà, c'est quoi, venez, on parle de soi la perte. C'est vraiment, allons jusqu'au bout. Voilà. Donc, frère Undertaker, maintenant c'est Koto, ils sont là, il a 70 ans. Mais les gars, mais vous êtes sérieux ou quoi? Il y a une émission, j'ai compris. N'oubliez pas, bien sûr, que l'émission maintenant va être en direct des canapés de chacun. Et c'est la même société. On a plus de taf à la fin de l'émission, moi je vous le dis. Carte de l'année, 12 champions ou anciens champions, le recordman de victoire à l'UFC, le recordman de combat à l'UFC, le recordman de finish à l'UFC, le recordman de bonus à l'UFC, le record de frappe significative à l'UFC, etc. Donc, vous l'aurez compris, c'est la carte de tous les records, même si c'est pas forcément la carte qui, j'ai l'impression, intéresse le plus le monde. Donc on va se donner le défi de réhyper un petit peu cette carte de l'UFC 300. Vous avez chacun choisi un combat à mettre en avant sur cette UFC-là. Et on va commencer avec Pierre, justement, qui, au lieu de nous parler de WrestleMania, va nous parler de l'UFC 300. Parce que toi, tu as choisi un des premiers combats de la carte principale.
le combat entre Bo Nickel et Cody Brundage, qui sont les combattants non classés de la carte principale de l'UFC 300. On va honorer le sport le plus noble au monde, parler de la lutte et de Bo Nickel, le représentant américain, qui va, je vous le dis, hein, vous vouliez être hypé pour la carte, c'est le combat le plus déséquilibré de cette carte. Tu veux que je monte les cotes parce que c'est violent. Ouais, les cotes sont très très violentes, mais par contre, pourquoi je vous conseille de regarder ce combat? Parce que Cody Brundage, en fait, il est à 11,50. Je vous conseille pas non plus de jouer la value, mais ce qui va être marrant, c'est que Cody Brundage, c'était un ancien lutteur universitaire. Je pense que c'est un mec qui se fait KOter aussi régulièrement, qui a déjà perdu, qui a, comment dire, un record en dents de scie. Mais il va pas craindre comme les précédents adversaires de Bo Nickel, je pense, sa lutte. C'est plus un mec à l'image, à toute proportion gardée, à un Makhachev contre Oliveira qui s'est dit moi je vais pas avoir peur de son sol, je vais y aller. Sauf que là ça va poser problème contre Bo Nickel, mais ça peut être un combat engagé parce que je pense que Brundage va jouer son va-tout. Je pense qu'il sait qu'il est outsider et il va. Je pense qu'il aura comme objectif de finir ou se faire finir. Donc ça va être un combat spectaculaire qui va se terminer au premier round. J'espère une grosse performance de Bo Nickel. Même malgré tout, pourquoi j'ai choisi ce combat? Parce qu'il est symptomatique de ce que tu disais avant. C'est pas forcément la carte qu'on attendait. Du moment juste qu'il y ait ce combat-là ou qu'il y a un Youssouf sur la carte, ça veut dire que c'est pas non plus l'événement qu'on nous attend avec à chaque étage un potentiel main event. Bo Nickel, Cody Brundage, c'est pas un main event, non, même dans Fight Night. Youssouf, pas américain, Youssouf, il tombe pas dans ce combat. Youssouf, il est sur la carte comme Brundage, en fait. C'est parce que l'adversaire en face est hype et a du potentiel. Diego Lopez, Bo Nickel. Oui, d'accord. Il y a pas mal de combats où les adversaires sont là aussi pour faire briller. Hein. C'est là où il y a un problème pour moi. Faut bien l'expliquer à ceux qui se rendent pas compte peut-être de qui est Bo Nickel aux États-Unis. C'est le meilleur lutteur universitaire de tous les temps là-bas. C'est le Ramzat américain. Si vous voulez résumer bêtement, ça va être ça. C'est comme si aux États-Unis, t'avais un compte à rebours depuis quelques années qui était Bo Nickel va être champion à l'UFC dans sa KT. Il faut avoir conscience pour les gens qui ne connaissent pas le système américain, c'est que la lutte au lycée est retransmise à la télévision. C'est-à-dire que dès le lycée. Oui, mais là, lui, c'était à la fac. Dès le lycée, c'est retransmis à la télévision. Donc en fait, les gens connaissent Bo Nickel depuis qu'il est ado. Mais attendez, c'est une star depuis qu'il est Gordon Ryan refuse de combattre avec tout le monde. Il sélectionne, si tu veux le combattre, c'est à la DCC, à rien d'autre. Il sélectionne tous ses combats. Il a combattu Bo Nickel. Accepté de le combattre. C'est une superstar. Et il a pris sa souplesse. On n'est peut-être pas touché en Europe, mais c'est un sacré phénomène aux États-Unis. Tous les experts, si tu écoutes les podcasts, Sherdog, ils disent que c'est qu'une question de temps. Il va prendre la ceinture, il va ravager tous les 84. Enfin, en gros, dans 5 ans, c'est une star ici aussi. Hein. Oui, non, mais là-bas, ça nous dépasse. Genre, là-bas, il peut être invité au JT. Ici, on va jamais l'inviter chez Drucker. Mais il a une lutte qui est tellement belle à voir aussi, parce qu'il a un style particulier quand même. Et précise lutte en chaîne. Ouais, exactement. En fait, parce qu'il y a lutte de contrôle et. En fait, sa lutte, elle est efficiente. Ça veut dire qu'il enchaîne, il avance constamment de position. Il y a des dégâts entre chaque transition. Enfin, je te laisse finir, mais techniquement, magnifique. C'est tellement propre. Voilà. En plus, vous pouvez étudier la lutte de Bo Nickel et tous les tutoriels qu'il a pu faire. Vous pouvez les regarder. C'est incroyable. Champion un jour ? Comment ? Champion un jour ? Ouais. Ah, je pense. En fait, son dernier combat a montré. J'aimerais en tout cas. C'est devenu un problème depuis son dernier combat quand on a des adversaires qui craignent la lutte de Bo Nickel au point de faire les erreurs. Qui s'est passé au son dernier combat où en fait il se retrouve avec des mecs qui réagissent à toutes ses feintes et il arrive à les finir avec ses points. Ouais. Là on a un problème. Je peux une petite contre-question vite fait. Bo Nickel Khamzat. Bo Nickel. Bo Nickel Khamzat. Bo Nickel. Bo Nickel. Sur ce qu'on a vu. Surtout que Bo Nickel, même si techniquement en striking c'est pas fou, il m'a montré qu'il avait une vraie patate de foie. Et je suis le premier à respecter Ramzat, mais pour parler de lutte pure, être champion de Suède et être champion des États-Unis, Ramzat, champion de Suède. Il est pas né dans le Mississippi. Mais il a quand même, je crois, passé plus de temps dans sa vie du côté des montagnes de Tchétchénie que la Suède. Bo Nickel à suivre. Bo Nickel à regarder. Il risque de mal accéder. De toute façon, je vais te dire, un jour ou l'autre, je pense qu'ils s'affronteront. Okay. Oui, je pense. Mais je pense juste que la lutte universitaire de Bo Nickel, adaptée au MMA, a un avantage et est plus fluide que celle de Ramzat, qui est vraiment dans le brawl, mais en lutte. Enfin, pour moi, c'est un brawl en lutte. On va passer au choix de Big John, qui lui veut nous parler de la ceinture du PMF.
entre Justin Gaethje et Max Holloway. Ça se trouve, ça a quoi, il nous avait dit Weili Zhang. Oui, j'adore les combats féminins. Bah écoute, pour moi, ce combat, c'est le vrai combat de la soirée. En vrai, c'est les deux plus gros stars sur la main card, parce que, qu'on le veuille ou non, les autres combats, c'est bien sympa, mais en termes de star impact, ça n'a pas le même niveau. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, Oliveira, c'est une plus grosse star que les deux. Écoute, au Brésil peut-être, mais je pense que mondialement, en tout cas pour ce qui intéresse les États-Unis, ce combat entre Holloway et Gaethje sera au-dessus. On a un record cumulé de bonus. Ah mince, je vais y arriver. Je recommence, 3-4. On a un bonus, en termes de total de bonus, on est à 24 cumulés. On parle de deux combats tant de légendes, une légende des Feather face à une presque légende, en tout cas des lightweight, deux gars très très forts en striking, pas hyper fort au sol. Ensuite, on regarde leur tableau de chasse. Il n'y aura pas de grappling. Hein. Ceux qui veulent regarder le grappling, ce n'est pas ce combat-là. Pour Max Holloway, c'est des victoires contre Corin Zombie, Arnold Allenier, Rodriguez, Calvin Kattar, Frankie Edgard, Aldo deux fois, Brian Ortega, Anthony Pettis, Charles Oliveira, Ricardo Lamas et Cub Swanson. En face, on a aussi de très belles victoires, mais attention, quand il a affronté des étapes un petit peu fortes, il a perdu, notamment face à Dustin Poirier une fois, il a perdu face à Khabib Nurmagomedov de mémoire, face à Charles Oliveira aussi. Max aussi. On a des records de KO des deux côtés, enfin, records de KO du côté de Gaethje qui a 20 KO sur 25 combats. C'est un combat qui a tout pour être spectaculaire, mais moi, je vais quand même me porter du côté de Max Holloway, puisque c'est un combat en 5 rounds. C'est un combat en 5 rounds et que personne ne met KO Max Holloway. Et Gaethje, le problème que j'ai avec Gaethje, c'est qu'il est capable de nous faire des combats extraordinaires, mais des fois, il a des moments de beaucoup moins bien. Et il ne faut pas oublier que son dernier combat face à Dustin Poirier, qu'il gagne par KO, il se fait dominer le premier round et après, il nous sort un kick de folie. Mais face à Max Holloway, tu ne le mettras pas KO. Et plus le combat va durer, plus le combat sera à l'avantage de Max Holloway. Personne n'a mis plus de coups significatifs à l'UFC que Max Holloway. Personne aussi n'en a encaissé plus. Mais le meilleur boxeur, toutes catégories confondues de l'UFC, c'est bien Max Holloway. Et c'est pour cette raison que je pense que Max Holloway va gagner à la décision. Objection, votre honneur. Tony Ferguson, tout de suite. Objection, votre honneur. Objection. Attends, c'est ça. Vite. Avant, c'est juste ça. De vous laisser Max Holloway. Est-ce qu'on est conscient que Max a eu le temps de faire une vraie montée? Oui, pas oui. De soucis, pas moi, de soucis. Moi, je me souvenais juste d'une émission avant que j'avais. Vous disiez que Max Holloway ne mettait pas KO. Il s'est passé quoi contre Korean Zombie? Faut faire attention, faut faire gaffe aux certitudes comme ça. Écoutez, c'est simple. Max Holloway va... faut se mouiller parce que là, ce que j'ai entendu, il y a vraiment beaucoup de choses. Max Holloway va manger son premier KO. Merci. Max Holloway va manger son premier KO. Et ça me déchire le cœur de le dire. Et j'aime beaucoup Max Holloway. Il va manger son premier KO. Max Holloway a fait une tentative en lightweight. Il s'est mangé un 5-0 humiliation. En short notice, lui, contre Dustin Poirier. Short notice, un mois et demi. Il est arrivé gras comme un cochon. Oui, short notice, un mois et demi. Même préparé, Dustin Poirier lui aurait fait sa fiesta. Bref, Max Holloway. C'était pas le combat où il y avait une légende. Un truc à Hawaii, en plus, il y avait une galère. Max Holloway est une légende des moins de 66 kilos. De l'UFC tout court. Voilà, de l'UFC tout court. Il est dans les GOAT, si tu veux, etc. Malheureusement pour lui, Justin Gaethje s'est acheté un cerveau. Déjà s'est acheté un cerveau. Et deuxièmement, Justin Gaethje a des machines d'arcade dans les poings, voilà, des marmites dans les poings, des armoires dans les poings. Et Max Holloway, tu l'as dit très bien dans ton analyse, est celui qui prend le plus de coups significatifs de l'UFC. Malheureusement, si tu prends plusieurs coups significatifs par Justin Gaethje, eh ben, tu te transformes en Tony Ferguson. Même ta carrière après n'est pas ouf. Fiziev est coach de Muay Thai, ça n'a pas tenu. Mais les gars, c'est un problème. Moi aussi. Non, mais moi, je suis assez mitigé dans le chat, ils ont l'air assez mitigés, mais j'avoue que moi, Je pense qu'on va voir Max Holloway manger son premier knockdown. Il n'y a pas cette histoire de catégorie. Non, mais après, on a un Max Holloway qui peut circuler parce que sa boxe et sa manière de mettre 100 fois plus de frappes que l'autre, c'est aussi une gestion de la distance qui est exceptionnelle. Pourquoi je me tourne du côté de Max Holloway parce que je pars du principe que dans n'importe quel sport, et surtout dans les sports de combat, lorsque physiquement tu commences à pêcher, c'est la technique qui fait la différence. La technique de Max Holloway est largement au-dessus. Max Holloway, j'ai oublié de le dire aussi, il a fait 9 combats en 5 rounds.
Justin Gaethje a dépassé le quatrième round 2 fois dans sa carrière. Plus le combat va avancer, plus ça va être dur physiquement de tenir pour Justin Gaethje. Oui, en effet, Justin Gaethje est le plus gros puncher, mais Max Holloway, il en a vu plus d'un, il a vécu plus d'une guerre. Justin Gaethje, à chaque fois que la marche a été un petit peu haute, mais il a calé. Tony, même si ça avance, je suis d'accord avec toi au niveau du cardio, pardon Sacha, mais ça va donner quoi au niveau des dégâts qu'il va prendre? Est-ce qu'il peut prendre des dégâts de Gaethje pendant 5 rounds? Je suis pas sûr. Mais est-ce qu'il va encaisser tous les coups? La vérité, c'est quoi ça aussi. Mais techniquement, ça, là, c'est les stats qui. Mais Holloway va te mettre KO, genre. Donc Holloway va te mettre KO. Non, le job est rempli. Vous avez, je pense, hypé tout le monde sur le combat. Je pense que c'est. Ah, par contre, j'annonce, ce combat sera le Fight of the Night. Oui, ah, vraiment. Ça me paraît. Là, vraiment, merci pour le débat. Ça, c'est possible. Vous m'avez bien placé. Par contre, j'aimerais juste revenir sur la marche haute. À chaque fois qu'il a la marche haute, il flop, etc. Il a quand même sûrement fait l'une des meilleures performances de l'histoire pour un titre face à Tony Ferguson. Titre intérimaire. Et même contre Charles, avant de perdre. Et même contre Charles, il le knockdown 2 fois. Faut quand même poser du respect sur Gaethje, la ceinture BMF aussi face à Poirier. Faut quand même poser du respect sur Gaethje. Je pense vraiment qu'il va massacrer Holloway. Ce sera sûrement, il y aura des beaux échanges, il va sûrement prendre des mauvais coups, se faire connecter, etc. Mais je pense qu'on va potentiellement voir le premier knockdown, voire le premier KO d'Holloway. Allez, on passe à autre chose parce que celui-là, c'est quasi garanti qu'il y aura un knockdown et KO et je vois même pas comment on pourrait en sortir. C'est le choix d'Anes. C'est le main event entre Alex Pereira et Jamal Hill. Alors avant de te lancer, on va regarder juste un petit peu le classement des light heavyweight pour se rendre compte un petit peu d'où on est, parce qu'on est tout simplement sur le champion contre l'ancien champion, donc l'opposition la plus haute possible dans cette catégorie des moins de 93 kilos. Et on rappelle que sur la même carte, on aura le duel entre le 2 et le 5, donc Prochaska contre Alexander Rakic, qui fait son grand retour et qui va être très attendu. Qui sera une demi. Et qui sera pour la suite. Qui sera la demi-finale. Ouais, très clairement. Donc vas-y, Anes, pourquoi Alex Pereira, Jamal Hill? Ça va être une dinguerie. Attention, Dana White l'a dit, c'est la violence incarnée, ce combat. Exactement, c'est la violence incarnée, parce que les deux sont dans la violence et se tapent comme jamais. Certains ne sont pas hype par ce combat, je pense en grande partie parce qu'ils ont peut-être oublié un petit peu qui est Jamal Hill. Je pense aussi. Parce que sûrement il n'a pas une énorme hype, et surtout beaucoup sont aveuglés par Poatan, le personnage, voilà, les grosses marmites qu'il a dans les mains. Mais attention, moi je pose attention. Mon prono, je vous le dis tout de suite, c'est Alex Pereira. Mais je pose vraiment un gros attention parce que Jamal Hill. Elles vont apparaître. Jamal Hill, c'est de la dynamite dans les poings, et qu'on le veuille ou non, il a tapé Glover à son prime, parce que Glover était à son prime quand il a eu sa ceinture, et il l'a tapé 5 rounds à 0. Mais pas juste 5 rounds à 0. Il y a un des 5 rounds qui est un 18. Donc il l'a tapé 50-44 pour les 3 juges. Coach de Pereira aussi. Pour les 3 juges et chez Glover. Moi, je pense vraiment que Jamal Hill, il ne faut pas dormir sur lui. Je pense qu'il peut connecter et voire mettre KO Alex Pereira, parce que Alex Pereira, c'est un kickboxer, les gens aiment bien dire c'est un kickboxer, etc. Mais il est très ouvert. Il prend beaucoup de coups, il est très ouvert. On l'a vu face à Bruno Silva, on l'a vu face à Adesanya, le premier et le second combat, d'ailleurs le premier qu'il perdait. Mais je pense vraiment, et face à Yiri aussi, il perdait le premier round. Combien de défaites en carrière, Jamal Hill? Jamal Hill, une défaite en carrière. Une seule et unique défaite en carrière qui était du Paul Craig sur cassage de bras. Paul Craig sur cassage de bras, qui n'a pas tapé d'ailleurs. Oui, il n'a pas tapé. Pour placer un peu le mec, pour ceux qui connaissent moins Jamal Hill qu'Alex Pereira, c'est un malade. Maintenant, il y a un truc. Pour tous les amateurs de grappling, celui-là, vous pouvez passer aussi. Vous ne le verrez pas de sol sur ce combat-là. Attention, aucune chance que ça descende. Combien de takedowns pour Jamal Hill? Ouais, en carrière, mais zéro. Aussi, là, zéro takedown en carrière. Il va pas. Je pense vraiment que Jamal Hill se dit, ok, j'ai Pereira en face de moi. Ok, c'est un kickboxer. Il est très ouvert. Je vais chercher à lui rentrer. Après, il y a quand même un détail que je vous ai pas entendu citer. C'est ça en fait qui m'en. J'allais le dire. Qui fait que je me mouille pas sur ce combat. Laisse-moi t'anticiper. La blessure. Ok. Voilà. La blessure. Par contre, il y a bien un bémol sur lequel j'insiste et sur lequel je pense que ça va jouer en faveur de Pereira. Non seulement la blessure, donc Jamal Hill revient de plus d'un an de blessure, mais surtout, je regarde ses réseaux sociaux, etc., la condition physique, ce n'est pas du tout celle contre Glover. Ouais. Parce que contre Glover, il était fit. Là, je vois Jamal Hill, peut-être il y a quoi, 6-7 mois, il est enceinte de 6-7 mois. Il n'a pas été fit depuis combien de temps, Jamal Hill? Déjà, ça fait vraiment un moment. Et non, j'ai surtout l'impression qu'il a commencé à goûter un petit peu à la tunasse, des petites dents, des petites... Le ice au niveau de la bouche. Les petits ice sur les mains. J'ai l'impression qu'il commence à... Dans la déperdition. Je pense qu'il profite un petit peu bien de la vie. Il s'entraîne sûrement, très sûrement. Attends, mais Alex Pereira, il est un peu comme ça aussi. Maintenant, c'est Pauliana Viana, c'est Lamborghini. À chaque fois que tu le vois avec Pauliana Viana, ils sont à l'entraînement dans la salle. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, j'espère ne pas voir de sol pour une fois. À mon avis, il n'y aura pas de sol. Voir Pereira au sol, mes yeux saignent et j'en ai marre. Non, il y aura pas. Je préfère le voir de moi. On parle de l'une des blessures les plus graves du sport, c'est rupture du tendon d'Achille. Donc,
Donc c'est quand même très compliqué. Je trouve que c'est un retour très rapide. Et à mon avis, on a ce main event parce qu'ils arrivaient vraiment à trouver personne. Et je pense que lui, il est revenu un petit peu rapidement. En vrai, je suis désolé. Non, c'est un top fight si les deux sont à 100%. Mais là, c'est je suis pas sûr que ce soit le cas. Justement, je vois une lecture. Pour moi, il y a deux chemins qui se dessinent dans ce combat. Pour ceux qui n'ont pas la ref ou qui veulent identifier le style de Jamal Hill, c'est un peu la réincarnation d'un Chuck Liddell, je trouve, au niveau du style. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je suis d'accord. Donc, ça frappe fort. Deux stats à prendre en compte. Les calf kicks de Pereira, moins le crochet gauche, pour une fois, une question d'allonge. Donc, du côté de Jamal Hill, se méfier des calf kicks parce que justement c'est le tendon d'Achille. On sait que Pereira a des plus gros kicks. Moi j'ai juste peur que ça s'arrête au deuxième round sur des calf kicks, tout simplement. Sauf mais que Jamal peut shifter. Oui, il peut. Et justement, deuxième stat, c'est que Pereira, on l'a déjà vu tomber KO contre un mec plus léger que Jamal. Et c'est aussi une stat à prendre en compte. Donc pour moi, il y a deux options. Déjà, ça ne va pas à la décision. Et je vois vraiment très clairement une victoire par, une jambe, par TKO sur les kicks de Pereira ou KO de Jamal Hill, mais très tôt dans le combat. Je pense que ça ne dépasse pas deux rounds pour l'un comme pour l'autre. Et j'ai donné mes deux options. La clé du combat sera la gestion de la distance. Ouais. Mais dans les deux cas, pour la façon dont ils vont gérer la distance l'un et l'autre, parce qu'il ne faut pas oublier que Hill, il a aussi une vraie capacité à varier ses coups. Ouais. Très belle boxe. Très très belle boxe. Super capacité, dur à lire. Très dur à lire. Capacité à varier les kicks au bas. Il a de très bons kicks aussi. Et il monte très très vite en high kick. C'est très dur à lire. Jambe avant, jambe arrière. Ça va être compliqué. En fait, j'ai juste envie de savoir s'il va accoucher avant le combat, parce que vraiment son gros bidon là, non, mais attends, vraiment ça m'inquiète. Au-delà de plus sérieusement, pour moi, il devrait s'inspirer du combat entre Jones et Machida, parce qu'avant le finish tragique de Machida, je trouve que c'est Jones qui en parle même dans un reportage. La manière qu'avait Machida d'envoyer son bras arrière sur chaque kick de Jones était parfaite. Le timing était parfait. Si Jamal avec sa distance fait ça et arrive à envoyer et déclencher dès que le kick de Pereira est envoyé, il a des chances de toucher très très durement. On ne souhaite pas la même fin. Non, on ne souhaite pas la même fin. Je pense pas que Pereira ait ça dans ce panel technique. Ah si, Pereira, il a un truc. Hein. Il est nul au sol. Alors, disons-le, il n'est pas bon. Mais par contre, il guillotine. Ça, il aime bien. La guillotine, ça lui fait plaisir. Visiblement, ça le fait marrer. Donc, il y a des chances qu'il tente des guillotines. Pourquoi pas. Voir si le coup de Hill est suffisamment accueillant pour être très étranglé. Très sous-côté. Moi, je pronostique Alex Pereira étranglement arrière. Tu m'as compris. Non, en vrai, vraiment, pour être sérieux sur ce combat-là, pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné comme mon banger? Parce que je pense que c'est sûrement le combat sur lequel on est d'accord pour dire que ça n'ira pas à la décision. Ouais. C'est le combat. Je pense qu'on peut tous se mouiller et mettre un bras, ça n'ira pas à la décision. T'as une cote sur Pereira par soumission? J'ai pas de cote. Attends, je regarde. Je pense pas que ça existe. Je suis pas sûr. Tu dois avoir une cote à 12 ou 15. Ouais, c'est minimum. Minimum. Je pense que c'est la cote existe. Mais non. La cote existe, je crois. Attends. C'est impossible. Alex Pereira gagne par soumission. Attention les yeux. 22. Ça va. Pouah. Bien vu. 20. Bon, personne va la jouer, mais okay, c'est sympa. KO round 1, Pereira pour voir. J'ai pas les KO round. Ok, KO Pereira. Alors j'ai moins de 1,5 round si tu veux. Round d'observation. Non, oui. Mais il au contender. C'est au deuxième, ça c'est un tueur. Moins de 1,5 round, c'est demain. Plus de 1,5, ça se joue. Tu sais que je vois énormément de gens dire que Jamal Hill va se faire éteindre. Jamal Hill. Contender série, je vois. Des gens qui suivent, on parlait sur ce combat, connaissent pas Jamal Hill, on va parler français, ils ont pas regardé ces combats. Non, mais je te parle de personne. Jamal Hill, en plus, j'étais en space sur Twitter avec des gens soi-disant qui sont censés suivre bien le MMA depuis longtemps, etc. Mais les gens me disent qu'il va se faire. Et quand je disais ne dormez pas sur Hill, limite, j'avais insulté. Pour moi, il y a vraiment un monde, quand tu vois ce qu'Adesanya lui a fait, il y a un monde, il l'éteint. Mais il est vraiment ouvert. Et tu vois, par exemple, tu me dis Adesanya Hill, pour moi, c'est peut-être plus indécis que Pereira. Je pense que c'est moins. C'est plus difficile à voir venir aussi un Jamal Hill sous certaines mesures parce que. Il est tellement particulier dans sa manière de striker. C'est vrai, après blessure, etc., la forme et tout, ouais. On passe au dernier combat, et pas des moindres pour le coup. On va donner la parole à Julien Cazier qui va nous parler du banger entre Charles Oliveira et Arman Sarukyan. Je vais te donner les cotes en curseur pour ton argumentaire, car Charles Oliveira est largement pas favori. Julien, mais il y a un monde entier qui a fait l'erreur de miser sur Charles Oliveira outsider. Je pense que c'est la plus grosse erreur à faire. La seule fois où il était favori, c'était contre Makhachev et il a perdu. Quand il est outsider, il faut jouer Oliveira. Julien, si tu me permets, je mets juste mon bavoir, je sors mon couteau, ma fourchette. Vas-y, histoire de bien déguster ce que tu vas me dire, c'est parce que ce combat-là. Déjà, pour vous le vendre, c'est hyper facile. Quel est le seul combat de la carte où, au 1er janvier, vous vous êtes dit, il y a un combat que je veux voir quoi qu'il arrive? Celui-là, vous pourriez pronostiquer. Vous pouvez vous dire, je veux voir Oliveira Tsarukyan, quoi qu'il arrive. C'est le seul où, il y a 3-4 mois, vous étiez sûr de vous le dire.
c'est une super opposition de style. On a quand même le recordman des soumissions. D'accord. Et on parlait tout à l'heure de record, du UFC record un peu étrange, mais c'est 34-9, Oliveira, les gens l'ont oublié. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, c'est l'assurance de toute façon d'avoir un combat ouvert. Je suis sûr que tu as des stats. J'en ai des centaines. T'en as oublié une, c'est sûr. Mais c'est Taon Blond de nouveau. Oui, ça je l'ai vu, ouais, c'est de nouveau Taon Blond. Mais ça, je préférais éviter parce qu'après Anes, il va nous faire pareil. Donc, en striking, on a quand même le plus beau représentant aujourd'hui de l'UFC de la shootbox. Le striking pied-point clinch le plus complet de l'UFC face à Tsaroukian qui a une très très belle anglaise, mais on va pas se mentir, très beau high kick mais très académique. Genre, ça, pour si vous voulez entendre un truc très très sensé et très posé là-dessus, j'ai notre ami Thomas de Tatami Connexion qui a fait une analyse de sa boxe qui est sublime, qui est hyper bien pensée, et pour le coup il l'explique très très bien. Il a une boxe très 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 académique, très très belle, mais on va pas se mentir, si vous devez comparer les deux entre le striking de Tsaroukian et le striking d'Oliveira, avantage d'Oliveira: le sol, qui a besoin encore qu'on parle du sol d'Oliveira? Allonge. Le sol d'Oliveira est monstrueux. Je vais forcément te demander de la précision dans le mot sol. Tout. Ah, tout. Meilleur que Tsaroukian? Alors, lutte la lutte ou pas, voilà. Le wrestling de Tsaroukian est meilleur. Mais attention, le sol de Charles, la lutte de Charles est totalement sous-estimée. Et c'est un des rares grappleurs qui sait. Parce que d'habitude, qu'est-ce que font les grappleurs? Ils disent de toute façon, moi, si je descends au sol, il ne m'arrivera rien. Sauf que Charles, il est capable de bosser là-dessus. Il est tout à fait capable de bosser pour prendre un deep freezer, overhook, underhook et die dans le dos. Donc, il peut tout à fait le faire. JB. Mais debout, il peut l'appliquer. Il est capable de l'appliquer debout. Vrai, au sol, il est monstrueux. En garde, au-dessus, en dessous, monstrueux. Du coup, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, en fait, c'est là où le combat il est intéressant, parce qu'Arman, il a un vrai truc. C'est qu'il est capable d'aller chercher à l'ouvert comme en fermé. Il est capable d'aller ouvrir, de crocheter comme Marachev, mais aussi d'ouvrir et de frapper en ouverture. Il a un grand endpoint monstrueux. Ouais. Une utilisation des coudes qui ne lui demande pas beaucoup d'amplitude. Mmh. Monstrueuse. Il est plus petit. Donc forcément, ça va être beaucoup plus facile pour lui de rentrer et de sortir de la poche, parce qu'il ne faut pas qu'il reste dans la poche avec Charles. Non. Il va falloir qu'il reste à l'extérieur, mais il va pouvoir faire des entrées et des sorties. Attention aux genoux. On va avoir un énorme combat de style là-dessus. Mmh. Avec la pépite aujourd'hui de la catégorie qui, à mon sens, devrait être normalement, s'il passe Charles, il est dans une autoroute pour le titre. Et on a Charles derrière, qui est tout ce que ça comporte de Charles Dobronx, c'est-à-dire on peut avoir le meilleur comme le pire. Autoroute pour le titre, mais malheureusement, au bout de l'autoroute, il y a un mur de 6,50 m sur profondeur de 3 m. Ça risque de faire mal. Tu t'as dit qu'il allait rester dans la catégorie? Qui? Islam. Ouais, il va rester. Tu sais très bien qu'il a des prix. Il est en train de regarder déjà à droite, à gauche. Ah tiens, il y a un mec qui m'a collé haut en bas, il y a un mec qui m'a collé haut en haut, il est déjà en train de regarder. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir aujourd'hui des analyses techniques, on peut en faire pendant des heures. Mais sur tous les domaines du combat, on a peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la catégorie, voire à l'UFC. La plus belle lutte de l'UFC versus le plus beau jiu-jitsu de l'UFC. Même niveau de divertissement et tout, c'est trop. Enfin, ça peut être aussi spectaculaire que les gros combats de titres qu'on a vus chez les 57, où ça s'arrête non-stop. Sur le côté spectaculaire, je ne suis pas d'accord, parce que je pense qu'Arman a tout intérêt à bloquer le combat s'il veut gagner. Je suis d'accord. Brûler, je pense que plus bloquer. Il y aura du mouvement, et moins ce sera brûler, son avantage. Donc, moi, je vois plus Tsaroukian, s'il se retrouve au sol, et essayer de pourrir le jeu. Ouais, de toute façon, il n'y a qu'une seule entrée. Si on considère qu'on prend tous les domaines, Charlie peut quasiment dominer tous les domaines. Je pense qu'avec la seule solution pour Arman de passer, c'est de pourrir le combat. Dans les transitions. Tu parles d'Oliveira, intéressant. Non, je pense que Tsaroukian peut se faire toucher dans les transitions. Moi aussi, je pense. Mais par contre, je pense quand même qu'on oublie un petit peu le menton d'Oliveira. Hein. Tsaroukian, il a montré du très beau striking sur son dernier combat face à Darius. Je pense que s'il y a bagarre, Oliveira, il va pouvoir prendre ce coup en plus. Mais parce que Tsaroukian, on l'a vu sur ces derniers combats, il est très ouvert quand même. Vous ne faites pas avoir, par contre, par le combat de Darius. Non, je parle des derniers combats de Tsaroukian, par la manière que Tsaroukian a de prendre des coups. Je ne suis pas sûr quand tu prends le crochet gauche court. Parce que les deux ont le même problème, c'est ça qui va être drôle. Ils ont des sautes de concentration très marquées durant les combats. Mais vraiment, les deux, c'est flagrant. Il y a juste aussi le genou défensif quand Arman il descend qui me fait très peur. Je vois aussi, je visualise Charles connecté avec un genou, mais sans le flying knee, vraiment un truc défensif où juste il monte son genou avec son allonge et sa taille. Vous voyez pas Arman placer une petite soumission comme un Makachev? Dernière soumission d'Arman, c'était 2017. Il n'a pas soumis une seule personne. Pour moi, Charles se fera plus soumettre. Les gars, il 16 heures tout rond. Vers qui on penche? Moi, la tête dit Charles, le cœur dit Arman.
L'inverse. Non. Ça aurait dû être l'inverse, non? Pour non. moi, j'ai exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au niveau de, juste de l'âge, parce que j'ai un peu peur, mais je ne ferai plus l'erreur de miser contre un Oliveira outsider, donc Charles Oliveira. Par TKO, je pense même qu'il va le finir au point. Il va pas vouloir, il va éviter le sol dans une phase de transition sur un genou. Moi, j'ai un petit truc qui me dit Oliveira, mais franchement, c'est pas un énorme truc. Mais j'ai un petit truc qui me dit Oliveira. Après, je serais vraiment pas choqué d'un Herman qui contrôle, qui envoie du ground and pound et qui, peut-être même qui réussit à placer un bras-tête ou une connerie comme ça. Tu non, vois. Soumission. Moi, je pense que de manière très globale, et je vais vraiment englober les trois combats qu'on a résumés, pas celui de Bonical, c'est la carte la plus dure à pronostiquer. Sur vainqueur, oui, sur vainqueur et perdant, ouais. Très attends, mais franchement... J'ai mieux pour Watt, si tu veux, mais je te laisse finir. Mais après, très je franchement, c'est la plus dure à pronostiquer. Comme je n'ai pas vraiment j'ai pas envie de me faire avoir par le combat face à Dariush, et je ne sais pas dans quel état est Oliveira actuellement, je vais me tourner un léger avantage vers Tsaroukian pour la fraîcheur physique, la jeunesse, tout ça. Mais franchement... Vous l'aurez compris, les combats, ils ne sont pas faciles. On va arranger le travail pour Big John, bien évidemment. On va vous sortir les codes de Weili Zhang contre Yan Xiaonan. Comme ça, là, tu seras beaucoup plus à l'aise, John. Attends, parce que... Là, tu vois... Il manque de respect, hein. Pourquoi il manque de respect? Il manque de respect à Yan, hein. Non. Moi, Weili Zhang, j'adore l'avoir combattu. Moi, je pense que Zhang va la taper. C'est ma combattante préférée féminin. Par contre, vous êtes prêt pour 25 minutes jusqu'à la décision? Non, attention. Zhang Weili, attention. Mais si c'est le même combat que contre Johanna, moi, je reste assis, je veux voir 25 minutes. Qui gagne, vite. Bon, je dis Zhang quand même, mais la 4-10, il est dur. Zhang, décision, elle doit être sympa. Ouais. Attends, si elle est sympa, on va te la chercher. Zhang, décision, elle est à 2,85. Elle est remontée. Sympathique. C'est sympathique. Peut-être pas mal, mais Zhang finish, t'es KO. Attends, c'est un 5 rounds aussi. Ouais. Elle sort d'un gros Zhang camp. KO. Zhang KO. Josh Inger. Déjà, tu prends les deux premiers rounds, ça se passe. Zhang KO. Ok. Bon. Vous l'aurez compris, on est hypé, on va tous ne pas dormir puisqu'on va regarder la carte de l'UFC 300, la carte principale qui va démarrer vers 4 du mat. La c'est énorme pour c'est énorme pour. Bon, c'est pas misogyne, mais c'est énorme pour une femme quand même. Hein. 11 sur ses 24 victoires, 11 KO, 8 soumissions. Elle a que 5 décisions, Zhang. Non, mais. C'est un truc de fou. Hein. Respect. T'as la cote de Holly contre. Non, elle n'existe pas, malheureusement. Et on va tous se hyper là-dessus. Alors, potentiellement, s'il y a des nouvelles news. On m'a dit peut-être qu'il y aurait une autre émission cette semaine s'il y a un gros truc qui tombe ou quoi, je ne sais pas. Je préfère vous le dire comme ça. Possibilité à mesurer. On va voir ce qui se dira de ce côté-là. Sinon, on sera de retour lundi prochain, 15h, après cette UFC 300. J'espère qu'on va bien manger quand même sur cette UFC 300. Attends, tu nous as teasé un truc. Tu parles d'un truc FR, un truc français, une news française. Restez branché. Ah là là. C'est donc lui, Maître Fumier. C'est lui qui s'est fait du chapeau. Voilà. Non. Je suis Sacha White. Maître Fumier, moi j'ai vu, elle est beaucoup plus jolie que lui. C'est sympa pour moi, Julien. Merci beaucoup. Ah, le teaser, mon gars. Merci à tous ceux qui étaient très présents dans le chat. N'oubliez pas, bien sûr, de péter le compteur de pouces bleus, de donner un maximum de commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On essaie d'en tenir compte, de répondre sur les émissions prochaines. A priori, rendez-vous lundi prochain, 15h. Portez-vous très très bien et continuez de faire vivre le MMA français et continuez de soutenir les athlètes français. C'est important, même si ce n'est pas les plus hype sur les réseaux. Bon lundi et bonne semaine à tous. Ciao. Ciao. We'll be right back.